Good morning, Alayden. Nous étions aujourd'hui Maseret Tanit Perek Dalet Mishnah Vav. Chamisha Dvarim Eru Et Avotenu Beshiva Asar Betamuz Vachamisha Betisha Be'av Beshiva Asar Betamuz Nishtabru Aluchot Buta Alatamid Ovkea Ir Vesarafa Postemos Et Atora Ve'emid Tselem Ba'echal Betisha Be'av Nigzar Avotenu Shelo Ikansu La'aretz Ve'charav Beit Barishon Arba Shnia Ve'nelkeda Beitar Ve'necheresha Ha'ir Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha. Je vous avais dit que dans une émission précédente que jusqu'à la fin du chapitre, on va parler de Zman HaSakonim, j'ai oublié que non. Et les Chot Tisha B'Av, elles apparaissent ici. En l'occurrence, la Mishnah nous introduit maintenant Chamisha Dvarim Eru Et Avotenu Beshiva Asar Betamuz. Cinq événements se sont produits pour, chez nos ancêtres au 17 Tamuz. Les Chamisha Betisha B'Av et cinq à Tisha B'Av, au 9 Av. En l'occurrence, on va expliquer maintenant c'est quoi l'alchot des jeunes, concrètement, à quelle date il faut jeûner et qu'est-ce qu'il y a eu. Beshiva Asar Betamuz, le 17 Tamuz, qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Eh bien, Nishtabrua Luchot, c'est le jour où Moshe Rabbeinu il a, où les Luchot, les tables de l'Alliance, les tables de la loi comme on dit, elles ont été brisées. Moshe Rabbeinu il est monté au Sinaï le lendemain c'était le 7 ou 8 Sivan plutôt, parce que la Tantora c'était le 7 Sivan. 8 Sivan, si vous comptez jusqu'au 17 Tamouz, vous allez arriver à 40 jours. Il est monté pour 40 jours. 40e jour, il arrive, il voit les Bnei Israël, ou plutôt le Revrav, qui ont fait le Chet HaEgel, et il casse les Luchot HaBrit. Premier événement. Ensuite, Uvuta la Tamid, et le Korban Tamid a été interrompu. Ça correspond à quoi? Ça correspond en fait qu'il y avait un siège autour du Yerushalayim à l'époque des Romains, je crois, et même sûrement au premier Beth Amikdash, j'imagine. Et le Korban Tamid a été. Donc il y avait un siège jusqu'au moment où il n'y avait plus de moutons pour faire le Korban Tamid du matin. Et du coup, le Korban Tamid qui nous protégeait, le Korban quotidien, perpétuel, eh bien il a été interrompu. Vehov Keahir et aussi la muraille de la ville d'Yerushalayim, on ne parlera pas encore du Beth Amikdash, la muraille de la ville, elle a été fendue, scindée. D'accord? Il y avait le siège et tous les jours il frappait. Jusqu'à la fin, la muraille a commencé à se fendre. Première faille de la muraille. Vesaraf apostemos et a Torah. Et il y avait un rachat grec qui. C'est écrit que c'est un grec dans le Tiferet Israël. Pour moi, j'étais sûr que c'était un romain. Mais lui rapporte que c'était un grec qui nous dit que. En tout cas, qu'il a brûlé un Sefer Torah. Il a brûlé un Sefer Torah, c'est une Kabbalah qu'on avait à cette date-là, le 17 Tamouz, il y a un Sefer Torah qui a été brûlé à part Apostamos. Et il y a une phrase un peu compliquée, comment la traduire exactement grammaticalement, mais Vehemid Tselem Ba'echal, et il a mis une statue dans le Echal. Alors si on dit Vehemid, ça se réfère à Apostamos, que lui-même, en plus d'avoir brûlé le Sefer Torah, il a amené une statue de Avodazara dans le Echal, dans le Echal du Beth Amikdash, dans le Kodesh. Et ça, c'est si on dit Vehe Emid. Mais il y a une autre version qui dit Vehu Amad. Et en fait, on parle du roi Menaché, qui est un roi Racha, qui a mis un Tselem. C'est un Midrash bien connu, qui a mis un Tselem. C'est la fameuse histoire avec Rachel Menou, qui est parti prier. Donc, il a mis un Tselem dans le Hiram. Ok. Ça, c'était pour le 17 Tamouz. Maintenant, on va voir les 5 événements tristes qui se sont produits à Tisha B'Av. Betisha B'Av, le 9 Av, Nixer al-Avotenu chez le Kansou la-Aretz, a été décrété sur nos ancêtres qu'ils n'allaient pas entrer en Eretz Israël. Parce qu'en fait, ça correspond aux Meraglim, les explorateurs qui sont venus le 8 Av, ils ont été envoyés. C'est tout un calcul, je crois qu'ils ont été, en fin Sivan, ils ont été envoyés. Je crois que c'était Kavzaïn ou quelque chose comme ça, si vous comptez. Et bien ça fait tout le mois de Tamouz, plus encore 8 mois de Av, ils sont partis pour 40 jours eux aussi. Et on s'est retrouvé avec le 8 Sivan, ils ont dit le Lashon Hara sur l'Eretz Israël. Les Am Israël a passé la nuit suivante à pleurer sur leur sort. Et Hachem, il a décrété... Vous avez pleuré, vous continuerez à pleurer à cette date-là, c'est le 9 Av. Donc, et ce jour-là, c'était Nixar la Votenu chez Loïkan Soularet. C'était décrété que nos ancêtres n'allaient pas entrer en Eretz Israël ce jour-là. Bon, ils étaient partis pour 40 ans. Vecharav Abait Barishona ou Bashnia. Et c'est à cette date-là que le Beth Amikdash a été détruit. Au premier Beth Amikdash et au deuxième Beth Amikdash. C'est Mamash, un Zman de pour un autre, Azushalom. Venil Keda Beitar. Et aussi, c'est cette date-là que la ville de Beitar. Le massacre de Bétar et des martyrs, tout ça, c'était à cette date-là, le 9 Av, que c'était produit. Venecheresha Aïr et aussi tout Yerushalayim, elle a été labourée.
c'est une question d'ailleurs historiquement, je ne sais pas comment la résoudre. Mais en tout cas, on raconte là ici que la ville de Yerushalayim, on a tout rasé au point de la labourer. Donc comme ça je comprends, c'est comme ça d'ailleurs que c'est interprété, je n'ai même pas vérifié, mais dans le Bartonnerie, elle n'a pas précisé. Non, c'est la réponse, elle est là. Il y avait un problème technique, c'est qu'aujourd'hui à Yerushalayim, vous allez voir, il y a plein de vestiges du Beth Amikdash qui sont encore là, on retrouve le mur, le côté de la Maravie et tout ça. Donc comment tu me dis que la ville, elle était toute labourée? Il y a des choses qui sont quand même restées. Me répond le Tiferet Israël, c'est sûr qu'il a pensé à moi quand il a écrit ça. Il m'a dit non, après le premier Khurban du Beth Amikdash, la ville, elle a été labourée. Le deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas eu ça. D'accord? Et de ce fait, Mishenichnas, Av, Mema'atin, Besimcha, lorsque le mois de Av entre à cause de ces événements, eh bien, Mema'atin, Besimcha, il faut réduire la Simcha, et pour finir avec quelque chose de joyeux, il reste encore quelques jours de Hadar. Donc Mishenichnas, Hadar, Memarbim, Besimcha, il faudra rajouter, décroître, accroître la Simcha, et donc il nous reste encore quelques jours de Simcha en nous préparant à Pessah. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.